Beaucoup d'entre nous vivent leur vie en se demandant ce qu'ils aimeraient faire. Quelles aventures ils aimeraient vivre. Quelles émotions ils aimeraient ressentir, et puis ils renoncent. C'est à ces personnes à qui je pense aujourd'hui et auxquelles j'aimerais dire, sans aucune mégalomanie ou démagogie. Ne renoncez pas. Sachez que la seule différence entre ceux qui vivent leurs rêves et ceux qui ne le font pas, est due pour ces premiers au simple fait de n'avoir jamais abandonné, de s'y être mis réellement, et pour les seconds, de n'avoir jamais commencé à se mettre en action. Ami, n'abandonne pas. Ne mets pas tes rêves de côté, pourquoi le ferais-tu? N'abandonne pas et souviens-toi de ces jours passés, de ces rêves qui te donnaient tant d'énergie, tant de conviction et de joie de vivre parce que tu étais en action et que rien ne pouvait alors te faire douter, te faire baisser les bras ou même s'opposer à ce que tu voulais. Et tu sais quoi? Cette personne c'est toi, c'est toujours toi. En fin de compte tu sais, le seul vrai secret du bonheur est celui du succès dans tout ce que tu peux souhaiter et entreprendre. Ce qui a toujours fait la différence entre vivre ses rêves et rêver sa vie. C'est le fait de se lancer, de ne pas lâcher, et en tout cas de faire un tout premier pas, et un petit pas de plus chaque jour vers ce que l'on veut vraiment. Maintenant, j'avoue ne pas savoir que te dire de plus. Maintenant que tu sais, et tu l'as toujours su. N'abandonne pas, ne renonce plus à tes rêves, pour toi, pour ceux que tu aimes car ces rêves ils parlent de toi, de ce que tu as de plus précieux, et de ces dons que tu as reçus. Allez, à tes rêves. Mets-toi en action et demain, quand tu les auras réalisés, fais-moi s'il te plaît une petite faveur. Reviens vers moi pour m'en parler et partager un peu avec moi ce bonheur d'avoir réalisé ce que tu souhaitais. Et si en attendant, tu as besoin de parler, n'hésite pas. Tu sais, un jour on l'a fait gratuitement pour moi, et ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'en faire autant. Parce que c'est si facile de se laisser absorber par la vie, par les circonstances et toutes ces choses qui nous bouffent, qui nous piègent et nous détournent de ce pourquoi nous sommes faits. De ce que nous souhaitons faire, et être dans notre vie. Alors, n'hésite pas. Et en attendant, ne laisse personne s'opposer à tes rêves. Personne. Y compris toi. Ok ?